C'est parti, mon kiki. Ah. Ça va bien, la chaleur, oui, va cartonner ces prochains jours. Ah, tu renonces vraiment, c'est acté. Tu renonces à faire un direct, tu prends. Ok. Moi, merci, je suis un peu plus frais qu'hier, c'est cool. Hier, j'avais une gêne de nez-oreille, c'était chiant. Et je vous l'avais pas forcément exprimé hier, mais c'est pour ça que j'avais repris tardivement après ma pause déjeuner. J'étais assommé par la chaleur en même temps. Oui, bon, l'intro, on l'a déjà vu 10 fois, là, je vais peut-être pas la rejouer. Je vais arrêter la musique aussi, qui est totalement incompatible avec l'ambiance du jeu. Alors attends, elles sont pas dans l'ordre chronologique, mais sauvegarde. Faut que je fasse gaffe. Tu seras absent en début d'après-midi, peut-être jusqu'à la fin du direct. T'en as prévu de dernière minute. Oui, tant que c'est rien de grave, c'est le plus important. Tant que c'est rien de grave, non mais t'en fais pas, il y a. Je ferai du Far Cry de Peinard, enfin une fois, à mon avis, j'aurai personne. Ou deux, trois de passage. Je peux comprendre que vous soyez lassé du Far Cry 2 que je suis en train de littéralement de poncer. Parce que je l'adore. J'en étais où? Je ne sais plus jouer du tout. Attends, l'interface elle est bizarre, on pourrait croire qu'il y a quelque chose dans le coffre. Ah non, c'est des. Ils ont mis plus de clous en haut dans l'interface que. C'est bizarre. Ah, il y a des endroits où on soupçonnerait qu'il y ait des passages secrets. Elle dit quoi d'ailleurs la carte du niveau? Ouais. Ouais. La carte se dévoile difficilement, hein. On pourrait soupçonner un passage secret là derrière. On pourrait soupçonner un passage secret. Dirait qu'il y a un truc derrière les chiottes. Vous allez voir, à la fin du jeu, je vais être super puissant. Je vais défoncer d'une main les murs. Je vais exploser les chiottes et je vais accéder à des couloirs encore inconnus. C'est possible, hein, le jeu en offre la possibilité. C'est pas que ça m'ennuie, c'est que j'ai un rendez-vous qui n'était pas prévu. Oui, bah oui. Faut faire avec, mon pauvre fan. J'espère, par contre, toi, tu vas pas souffrir. Eh, fais gaffe! J'espère que tu vas pas souffrir d'insolation, FunFan. Je crois que tu vas avoir 36-37 degrés hein, dans ta région, tout à l'heure. Donc, sachant que ton rendez-vous est en début d'après-midi, fais gaffe. Couvre-toi bien, prends-toi un chapeau et une bouteille sur toi. Te mets pas dans le mal, malheureux. Attends, je sais plus. Ça mène à où, ça? Ah, c'est les anciennes geôles. J'ai plus rien à y faire, j'avais complètement écumé les lieux. J'avais complètement écumé les lieux. Alors attention, carrefour. Là, normalement, je me fais repérer par tout le monde. Il y a lui qui m'a pas vu, là, le champion gobelin. Là, il y avait quoi? Ah oui, il y avait une histoire de vente. Il me disait il faut une autorisation et une gemme. Alors la gemme, je l'ai. Par contre, l'autorisation, je crois pas. Je vais la retenter. Je vais y aller. Il y a quelqu'un. Le mec qui est censé se faire discret. D'accord, il faut absolument que j'aie son papier de son chef. Ok. Ok. Il y a des interstices dans les murs, tu te demandes si tu peux pas faire quelque chose.
Regardez-moi ces pierres. Il y en a, on se demande si on peut pas appuyer dessus pour déclencher un truc. C'est vachement bien fait. Hein. C'est vachement bien fait. Ouais, là il y a un accès à je sais pas quoi. Là il y a le champion qui dort, je crois. Je devrais manger quelque chose. Mais laisse la porte fermée. De me faire repérer, moi. Ça, c'est pour se barrer à l'autre niveau. Donc, c'est pas pour tout de suite. Attendez. Je m'y fais pas au bruit de pas. J'ai l'impression d'être une nana en talon haut dans une galerie marchande. Excusez-moi. Hein. Le son me rend fou. Là, il y avait quoi? Je sais plus ce qu'il y avait ici. Ah non, il y avait des mecs qui me cassaient la figure. Ah bah. Merde. Tiens, bats-toi. Tu te bats comme une gobeline. Ah, il y a des choses ici. Ah non, mais faut que je les patate, il y a des choses ici, c'est obligé. Comment vais-je m'en sortir? Dans mon profil, il faut que je privilégie la ruse. Que je me rends quand même au niveau suivant. Bon, vous remarquerez que j'ai un avantage dans ma situation actuelle, c'est que j'ai la liberté de mouvement. Ce qui n'était pas donné. Là, oui, je reviens des fins fonds, là, des tréfonds. De l'étage inférieur. Qu'est-ce que je fais? Je me barre au niveau suivant. Là, il y a les mecs qui vont me patater. On va voir. Je vais me barrer à l'autre niveau. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression de deviner des... Ou alors c'est des bugs d'affichage. Oui, il y a un problème d'application de texture. Parce que j'avais l'impression que je pouvais rentrer dans le mur en le poussant, là. Alors attends, je vais au-dessus. Merde, comment on fait? On fait comme ça. J'ai faim. Comment ça, il a faim? Oh, il me dit j'ai faim. Bon, j'ai de la bouffe sur moi, ça peut s'arranger, mais... On va sauvegarder. Endroit inconnu. Là, on a le droit de la nouveauté. Furtif, oui, allez, hop. Si tu veux. Oh. Bizarre, l'enfoncement. Bon, il n'y a plus qu'à prier que je tombe pas sur un chef gobelin. Et que je tombe pas sur un piège. Merde, j'aime pas ce bruit. Il s'est passé un truc. Assure-moi, c'est pas derrière moi, il n'y a pas eu un ébouli derrière moi. Ben, c'est comme dans Spelunky, les murs bougent. Non, je peux revenir sur mes pas, ça me rassure. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce dédale? Quoi? Oula, c'est une nouvelle grotte. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Les eaux semblent légèrement stagnantes. Il y a un léger remous.
Attends, j'ai des torches parce qu'il y a des parties non éclairées. J'ai deux torches sur moi. Ah, mais attends. On est à la surface. Mais oui, niveau 1, je suis à la surface de la grotte. Je suis sorti de la grotte, en fait. Donc j'arrive dans la ville en surface. Il y a des petits bugs graphiques. Oh là là, les humains se sont fait exploser la tronche. Ah, une épée, ça m'intéresse. Sauf que j'ai plus de place. Attendez. Attendez, avant d'entrer dans la forteresse. Oh, il y a un truc en haut, vous avez vu? Il y a un truc en bleu. Là, vous voyez, là où il y a ma main. Il y a un truc en bleu à dégommer, à mon avis, à faire tomber avec un sort de magie ou un objet. Oh. Une porte. Qui est évidemment verrouillée. Vous êtes en état de siège! Rendez-vous! C'est le mec, il est fou. Ouh, les nénuphars, faut les collectionner pour faire des potions. Tu devrais manger quelque chose. Oui, tu vas manger quelque chose. Oui, je vais te donner à manger. Ah, mais je sais pas compacter mes objets, moi. Attendez, je vais gagner de la place dans mon inventaire. J'étale tout dans l'inventaire alors que je peux les cumuler, là, les... Attendez. Eh, hey, sympa le menu. Au choix, j'ai du poulet, j'ai des pommes, j'ai du poisson, j'ai du pain, j'ai carottes aussi. Tiens, la carotte, je vais la manger parce que ça me libère une case. Je vais le jouer stratégie. Hein. Voilà. T'as mangé une carotte. J'ai du rat cuit, j'ai... Oh là là, fromage, pomme, tout, dessert. Oh, la totale. Mais dressez-moi une table, s'il vous plaît. Je vous invite à mon buffet. Le buffet des délices. Ah, attends, ils se sont fait exploser. Donc je pense que c'est les mecs qui se sont fait défoncer dans l'intro du jeu par l'homme rat qui est l'incarnation du mal. Putain, mais il y a des flèches partout. Oh là là. Oh là là. Cette violence. Le corps déchiqueté. Waouh. Le mec est encore en vie, va pouvoir témoigner. Les renforts. Allez voir Hortière immédiatement. Hortière? Mais je lui dis quoi? Avez-vous parlé à Hortière? Je n'en ai plus pour très longtemps. Écoute, je vais essayer de voir Hortière. Oh là là. Oh le massacre. Eh ben, si je veux du matos, je viens ici. Oh, mortier pilon. Pour l'alchimie, c'est précieux. Attendez, je ramasse rien, je suis en reconnaissance. C'est sur le retour que je m'en mettrai plein les poches. Il y a une poupoule. Il y a une cocotte pour cannelle, Christella. Elle est un peu maigre. Mais bon. Eh oh, j'ai l'impression qu'elle est en train d'essayer de me picorer les roubignoles. Il y a quoi ici? Ah, c'est le dortoir des gardes. Là, il y a une autre porte. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une porte... Eh, je suis pas observateur, j'avais pas vu qu'il y avait une porte sur le côté. Oh, le malheureux. Une potion inconnue? Ah non, c'est une viole d'eau. Une fiole d'eau, j'ai cru que c'était une potion inconnue. Tout va bien. Ah, la cocotte, là, qui est en train de danser le jerk dans le couloir. Oh, la vache. Ah. Il y a des cochons. Là, il y a un ébouli. Ouais, ben, un jour, j'aurai un sort qui me permettra d'exploser ce conglomérat de roches. Eh, pas mal la modélisation des animaux. Ah bah il y a d'autres cocottes, dis donc. Ah, il y a un petit potager. Eh oh, bébé le cochon, là, tu bouges tes fesses. Merci. Ah, carotte.
Ok, cible d'entraînement. Eh, c'est grand, hein. Ah, j'étais en contrebas tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cet objet là qui clignote? J'espère qu'à un moment je maîtriserai un souffle du vent, histoire de faire tomber des trucs. Waouh, salle au trésor. Un civil? Je suis Hortiern, capitaine des armées du roi et commandant de cet avant-poste. Êtes-vous un mercenaire? Pouvons-nous compter sur votre aide? Mercenaire, peut-être. Pour l'instant, j'ai juste mis de la distance entre quelques gobelins et moi. Que vous est-il arrivé? Nous avons été attaqués par un petit groupe d'Ilcides. Ils m'ont blessé et emporté trois de mes hommes. Les Ilcides? Il y a 2 heures, trois d'entre eux se sont infiltrés dans l'avant-poste. Sans raison apparente, sans même dire un mot, ils nous ont attaqués. On les disait invincibles et formidables guerriers, je sais maintenant que c'est vrai. Leur rapidité n'est pas humaine. Ils ont gravement blessé 3 de mes hommes, qu'ils ont emmenés avec eux. Quant à Carnoc, vous avez dû voir ce qu'ils lui ont fait. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, ni à qui ils obéissent. Tout ce que je sais, c'est que le temps presse avant leur retour. Trouvez quelqu'un d'autre. J'ai mes propres problèmes. Vous êtes mon seul espoir. Je ne fais pas confiance aux gens de la taverne. Un étranger est plus digne de confiance. Ah bah bravo. Je viens de vous dire que... Il vous faudra aller au château pour informer le roi de la situation ici. C'est d'une importance vitale. Depuis le dernier tremblement de terre, le chemin vers le château est bloqué par des éboulis. Et nous n'avons pas pu y retourner. Vous devez lui dire que les Ilcides nous ont déclaré la guerre. C'est stupide. Vous venez de me dire que le chemin d'accès au château est bloqué. Il vous faut passer par les cavernes des gobelins, à 2 niveaux en dessous, et trouver un moyen de remonter à ce niveau-ci. Ce n'est pas un itinéraire fréquent, il doit être dangereux, mais nous n'avons pas le choix. Normalement, en remontant par là, vous devriez vous retrouver dans le royaume humain. Impossible. Les gobelins et moi ne sommes pas en très bons termes. Je vais vous donner ceci. C'est une patente de marchand de gemmes. Aussi longtemps qu'ils vous prendront pour un négociant et que vous ne les agresserez pas, ils vous laisseront en paix, et vous laisseront passer. Mes ordres sont de rester ici. Vous êtes notre seul espoir, valeureux mercenaire. Très intéressant. Du coup, j'ai un laissé-passer pour... Alors que j'aurais cassé la gueule, hein, précédemment. J'étais prisonnier chez eux, je leur ai cassé la figure. Et je vais repasser pareil, même habit, en disant « Non, non, maintenant je suis commerçant, on est pacifique entre nous. » Ok. Alors, cette sauvegarde va s'appeler... Déjà, je vais préfixer du numéro parce que, comme il y a un ordre dans le truc... Attends, 4. Narration de fou. Pourquoi il n'a pas voulu de mon O? Ah. Narration de fou. Je suis le marchand qui ne fait que passer. Ouais, c'est ça. Bon. Encore, je pourrais m'habiller différemment. Je demande même pas à me maquiller la tronche pour qu'ils me reconnaissent pas, mais... Ouh. Bon, j'ai pas fini d'étudier les lieux. Il doit y avoir 1001 secrets. Ah, c'était sa... son bain, mon monsieur. Et attendez, j'ai tout visité, là. Bizarre. Ah ouais. Bon bah... Pillage. Eh, ils sont pas mal en surface. Sympa les humains. Ah, alors... Quand je me bats avec quoi? Je me bats avec un gourdin. D'accord. Parce que j'en ai encore un en réserve dans l'inventaire. Alors, de l'astucieuse gestion des inventaires. La clé, je pense pas qu'elle me serve à nouveau. C'était, souvenez-vous, la clé de la réserve. 2 niveaux en dessous. Est-ce que je me débarrasse de la clé et que je la dépose sur la table ici? J'ai envie de dire oui. Une clé peut pas servir dans plusieurs serrures.
C'est embêtant. Ah, puis j'ai gardé des notes, moi, que j'ai même pas... Attendez. Alors, moi, venir remplacer toi après avoir mangé... Oui, non, là, c'est Anatole, l'idiot. Je vais laisser son message. Voilà, je vais laisser le... Hein, le message ici. Ça me fait un emplacement de libre. Ça, c'est la patente de négociant en gemme. À quoi elle ressemble? Alors, patente de vente de gemme numéro blablabla, officiellement délivrée par le roi... Ok. Alolar. Alolar, le roi Alolar, qui en a marre et qui mastique des malabars. Ah, fiole de vin. Merde, mort, j'ai un doublon dans mon inventaire. Mais... Voilà, que je le range. On est d'accord que les codes de rack 8... Ah si, je peux les cumuler aussi. Oh, mais j'ai joué super mal. Mais nul, le mec. Nul, nul, nul. Aïe, 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 aïe. Je vais regrouper... Ah oui, j'ai une potion non identifiée aussi. Oh la vache. Attends, pardon. Alors, instant gestion... Je range mon inventaire. Ça, c'est un peu con. Excusez-moi. Le coup... Ou alors, peut-être avec Shift, je peux tout prendre d'un coup. Enfin, je vérifierai une autre fois. Ça, c'est des fioles d'eau. Je vais les laisser là où elles sont. Là, j'ai un os pour me battre. Ah, ça, c'est de la farine. D'accord. Oh, le bordel. Les poissons, je peux les regrouper aussi. Ah bah oui. Tu m'étonnes. La fougère, je te la mets là-dedans. Les torches. Ah oui, j'ai un poireau aussi. Oh, le poireau. La prochaine fois qu'il me dit qu'il a faim, je mange le poireau. Je libérerai deux cases, hein. À moins que j'ai moyen de me faire... Ah oui, il y a un endroit à un moment. Je pouvais me faire de la cuisine. Il me disait, vous pouvez cuisiner ici. Et en faisant combinaison des ingrédients, je peux me faire des plats qui me donnent plein de bonus. Le jeu est vraiment bien pensé. Le jeu est vraiment bien pensé. Et Cocorico, hein, c'est français. Arc Fatalis, c'est un jeu français. Une dague pour me battre, c'est très bien. Je gère super mal mon inventaire. Tiens, pareil, les fougères, j'en ai une de chaque côté, là. Ça faisait presque élément de présentation. La gemme, nanana, les champignons. J'ai les poissons cuits et les crus. Attends, j'en ai 4 frais, j'en ai 3 de cuits. Ok. Bon, la note, elle va rester ici. Épée courte, quelques flèches. Alors. Fiole de vin. Un journal de bord. Intéressant. Vas-y voir que je lise son journal de bord, mec. Mais il y a plus de lecture que dans The Elder Scrolls. Alors, je vais essayer. Je dis bien, je vais essayer de lire tellement que c'est écrit petit. Alors, au 266, saison blanche, semaine du rat, troisième jour. Aujourd'hui, une petite troupe de gobelins a essayé d'attaquer notre avant-poste. Ils étaient ivres et inefficaces. Nous en avons donc déduit que cette escarmouche n'était pas planifiée et qu'elle découlait de leur trop grande absorption d'alcool. Nous avons repoussé cette offensive sans trop de mal, souffrant tout de même de notre côté d'une perte contre 5 chez les gobelins. En 266, saison blanche, semaine de la taupe, deuxième jour. Un tremblement de terre a secoué notre avant-poste pendant au moins 10 minutes. Il n'y a pas eu de dégâts, mais j'ai remarqué plusieurs fissures dans la galerie qui mène à notre cité.
en 266, saison verte, semaine du bœuf, quatrième jour. Un étrange combattant nous a attaqué ce matin. Il portait une lourde armure d'une facture inconnue et semblait invincible. Tous ses gestes étaient précis et d'une rapidité inégalée. Il semblait ne pas connaître la pitié puisqu'il a tué un de mes hommes et sérieusement blessé deux autres avant de tout simplement repartir comme il était venu. Sa manière de procéder m'a fait penser à un simple test de nos forces. Je pense que ce guerrier n'est pas le premier signe visible d'une force qui est en train de grandir dans l'ombre et qui un jour pourra tous nous anéantir. Au 266, saison verte, semaine de l'aigle, premier jour. L'étrange guerrier est revenu. Il a tué trois de mes hommes avant que j'arrive enfin à l'abattre. C'est alors qu'agonisant, il s'est mis à éclater d'un rire puissant et démoniaque. J'ai tout de suite pressenti quelque chose et ai ordonné à mes hommes de reculer vivement. Il y eut une forte et puissante explosion qui dispersa ses restes. Il ne restait plus de traces de lui, à part son épée sur le sol. En 266, saison jaune, semaine du serpent, premier jour. Un tremblement de terre nous a réveillés bientôt ce matin. Un de mes hommes m'a dit que ce séisme a occasionné un éboulement dans la galerie qui mène au château. Je pense que des secours ne tarderont pas. Je préfère attendre un peu avant d'envoyer un de mes hommes auprès de notre bien-aimé roi. Ils doivent bien se douter que l'éboulement peut avoir des conséquences sur nous. Puissent les dieux veiller sur nous. Oh merde, j'ai fait tomber ma manette, tant pis. Eh ben, elle tombera pas plus bas. Ah, le malheureux Ortierne. Une fois que vous aurez vu le roi, il fera déblayer l'accès et pourra nous envoyer des renforts contre les Ilcides. C'est fermé. Ah. C'est fermé. D'accord. Et on est bien c'est d'accord fermé. Que si j'essaye avec la clé, elle ouvre pas tout. Merde, je sais plus comment on fait d'ailleurs. C'est comme ça, je crois. Non. C'est fermé. Ouais, non, c'est pas la bonne clé. Non, à mon avis, la clé, sans déconner, je peux la laisser là. C'était la clé de la réserve. Ça me libère d'une case. Hop là. Voilà. Même la note. Attends, vas-y voir que je la remette en lumière. Voilà, là on la voit bien. C'est rigolo. Alors pardon, pour mon confort, 30 secondes, je vais aller aux toilettes. Ma vessie me pèse. Je reviens. Ah, ça invite à la réflexion cette aventure. Attends, de reprendre le périphérique de jeu avec les... J'ai ressuyé mes mains à la va-vite. En même temps, avec la chaleur, c'est pas désagréable d'avoir les mains un peu humides. Avec de l'eau fraîche, évidemment. Oh, le cochon monte les escaliers.
Belle heule. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que je peux réquisitionner ? Oh, le malheureux. Oh, la vache. Ça, c'est ce qui mène au roi, mais visiblement, je pourrais pas le déblayer au dire du gars. Alors, le gars s'est fait exploser. Pas mal, la forteresse humaine. Ouais, biche de pain, un garde. Ouais, non, il n'a rien sur lui. L'oreiller ne cache... Ah ! Eh ! De l'importance de déplacer des objets. Mince, pardon. De l'importance de déplacer les objets. Oui, ça va dans ma besace. La bonne blague. Marteau de forgeron, je crois que je peux réparer mes propres armes. Je crois. Mais... Ah, ça je le veux. Ah oui, attends, je veux faire de l'alchimie moi. Je peux pas le prendre? Eh si, que je peux le prendre. Ah oui, il faut absolument que je fasse de l'alchimie moi. Waouh, 12 de... Ah oui, je peux avoir que des tas de 10 de... D'accord. Ok. Faudra que je retrouve l'endroit où je peux faire ma bouffe. Parce que là, j'ai plein de trucs à faire. Non, mais regardez-moi ça. Cuisse de poulet. Et de 3. Bon, bonne nouvelle. Je ne vais pas mourir de faim. Un plat salé, oui, non pas un plat sale, je présume. Ah, il avait de l'or sur lui. Deux petites pièces au fond de ses poches. Wow. J'embarque son épée. Ah, elle est un peu endommagée. Mais ça reste une épée. Attends. Ah, 2 cases seulement. Ok. Okidoki. Si vous avez une autre épée, je veux bien. Je préfère en avoir plusieurs que pas assez. Ah, il a rendu son dernier souffle. Ah, il avait du fronton sur lui. Je prends... Merdoum. Voilà. Il n'y a rien dans les débris fumants. Attends, je me colle au mur pour être sûr de... au niveau de la carte, être certain qu'il n'y a pas de passage secret. Quand on ferme la porte, il n'y a rien derrière? Non, il n'y a rien derrière. Oui, bah je peux les laisser en paix. Je peux refermer la porte. Ah, ils sont faits, mais alors défoncés. Pff, bouclier brisé, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je vais même pas revendre ça, c'est de la camelote. Le garde, il avait rien sur lui. Ah, lui, il avait un fromage. Surprenant que le rat n'ait pas bouffé. Une autre épée. Mais là, j'ai plus la place. Ah, c'est la plus endommagée. Elle est à 20 sur 50 de résistance. Alors, attends. Oh, faut que je... Attends, les os, je peux pas les cumuler. Non, je peux pas. Je vais mettre l'épée là.
J'irai bien dans l'eau. Je vais sauvegarder déjà. Parce que s'il m'arrive malheur, ce serait chiant de tout refaire. Ce serait chiant de tout refaire. Ouais, bah là, ça va être. Ça va être 3 explorations. Non, 3, pas 9. 3 explorations. Allez, à la flotte. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, il a un anneau. Non identifié, le gars. D'accord. Oula, le vent souffle dehors. Là-bas, dehors, c'est l'inconnu. Ah, nénuphar. Faut que je les prenne. J'ai faim. Encore ? Putain, mais il a faim tout le temps. Le mec, il passe sa vie à manger. Bon, c'est vrai, je lui ai donné qu'une petite carotte tout à l'heure à l'arrivée dans le château, j'avoue. Bon, bah, le poireau, j'ai l'impression qu'il va se le manger, là, parce que ça va me libérer des cases. Tant pis si j'aurais pu faire une recette. Allez, zou. 2 cases de libérer, il a mangé du poireau. C'est quoi ça? Une pierre d'Amicar. C'est quoi? Oh là là, il y en a des mystères. Bon, moi je viens de là. Il y a aussi les grottes que j'ai pas faites. On va faire usage d'une torche. Bizarre. Oula, dans quoi je mets les pieds, moi? Oulala, il y en a des choses. Qu'est-ce que c'est que ces étranges cavités? Là, il y a un éclairage. Il y a une salle derrière, visiblement. Bah, pourquoi ils ont pas aménagé cette salle? Et pourquoi ça c'est super lumineux? Oh, bah alors. Ils exploitent mal l'espace. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. C'était un hôtel de je sais pas quoi. Ah, il y a des champignons au sol. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, j'ai des champignons là que je peux cumuler. Enfin, si j'arrive à les cueillir. Ah, c'est un rat. Qu'est-ce que j'entends? Non, il y a rien dans le, il y a rien dans le cordon. Là. Alors c'est pas fini. Là, il y a comme un cratère. Bizarre. Oui, il passe sa journée à dire j'ai faim, j'ai faim. Oh, un toutou! Mais qu'est-ce que tu fais là, Médor? Waf waf! Oh, il est choupinou! Bah alors, qu'est-ce que tu fous là, toi? T'as rien à boire, à manger, l'endroit est potentiellement dangereux. T'es vraiment sorti de nulle part. Laisse-moi deviner, ton maître est rentré là-dedans et est jamais revenu. J'entends des voix derrière la porte. Wouhou ! C'est une taverne. Ah oui, les gens de la taverne, c'est eux.
Bonjour, messieurs, dames. Ah, les chiens sont pas autorisés dans l'établissement. Laissez-moi deviner. Bienvenue à la taverne de la tulipe jaune, étranger. Vous trouverez toujours ici un endroit où vous relaxer et prendre un verre. Bonjour, madame. Comme chez Poupon. La tulipe jaune. Mon nom est Am Shagar. Salut à toi, Bombal. Je ne t'ai jamais vu avant, et pourtant Arx n'est pas si grand. Et tu es un membre de la guilde des voyageurs. Je m'appelle Tizi, et je m'occupe de ce lieu de débauche. Que puis-je faire pour toi? Rien de précis pour l'instant. Combien pour un verre? Si tu veux boire un verre, donne-moi juste 2 pièces d'or. Tizi, la tenancière. Qui m'a qualifié de beau mal. J'ai été pas beau. Mais je peux pas marchander. Ah bah. Elle sert son client. Je n'aime pas vraiment ces gens qui fouillent partout. Tu as du nouveau sur ça? C'est exactement ce que je pense. Eh bien, ils font leur vie. À Lonshire, notre bon roi. D'accord. Ah, ça c'est le cru millésimé, c'est ça? Alors, 10 pièces d'or pour une bouteille de vin. Tizi. Oh vache. C'est un budget. Alors, pardon, je me permets de visiter. Je suis très vilain. Je suis inspecteur en auberge. Allez-vous-en! Ah, d'accord, là, toutes ces fioles-là. C'est sa réserve. Alors, elle a un étage. Oh, il y a du monde. Oh la vache, c'est plus grand qu'il n'y paraît. Oh l'autre, il propose un jeu de hasard. Je devrais manger quelque chose. Oui, mon personnage a faim. Tiens, il y a quelque chose à dire, lui. Ça fait longtemps qu'on n'a plus revu Azrael Darkthorn. Il a dû crever dans la crypte, ce sale pilleur de tombe. Ha! Ça parle mal! Je vais manger un peu de poulet. Voilà. Qu'est-ce que... si c'est une chambre individuelle, on dirait presque une cellule de prison. Oh la vache. Ah, c'est elle qu'elle a vue sur la grotte. D'accord. Mais oui, mais pourquoi ils ont pas aménagé en contrebas? Ils auraient pu largement aménager un truc. C'est un espace perdu, là. C'est trop étrange. Fiole de vin, miche de pain. La belle vie, mon plus que le boursin. Hé, hey, je t'ai encore jamais vu par ici, petit gars. Moi, c'est Enoil Kalpal. Je traîne souvent dans le coin. Je peux peut-être te renseigner. Pouvez-vous me dire qui je suis? Hélas, comme je viens de te dire, c'est la première fois que je te vois dans ce trou à rats. Peut-être que tu fais partie de la guilde des voyageurs et que t'as raté leur départ. T'as peut-être pris un sale coup sur la tête. Ce serait pas de bol pour toi, ça. Alors parlez-moi de cet endroit. Bon. On vit comme des cafards dans des cavernes qui ont été construites par les nains. On s'est réfugié ici parce que notre soleil s'est fait la malle, mon pote. Et que dehors ça pèle, ça tu peux me croire. Alors le seul moyen de survivre, ça a été de devenir des rats. Mais combien d'habitants y a-t-il ici? Et où puis-je trouver cette guilde des voyageurs dont je fais peut-être partie? Je sais pas vraiment combien il y a de personnes ici. Faut dire qu'on est un paquet de races à cohabiter. Les gobelins, les nains, les trolls, les humains. Et même, parmi les humains, il y a différents groupes. Quant à la guilde des voyageurs, faut bien dire qu'on n'est pas les seuls à vivre sur ce monde. Il y a d'autres que la pierre. Et faut être drôlement fortiche et bien équipé pour arriver à aller d'un trou à rat à un autre. Les gars qui font ça, ce sont ceux de la guilde des voyageurs. On en voit rarement passer par ici. Et il peut même se passer un très long moment avant d'en voir d'autres. Je suis toujours dans le coin si tu as besoin de moi. Alors, heureusement que ce n'est que les cinématiques qui rament et pas le jeu. Ça aurait été l'inverse, ça aurait été une épouvantable expérience de jeu.
Alors lui, je lui adresse même pas la parole parce qu'il veut faire un jeu de je sais pas quoi. Je lui rendrai visite seulement quand je serai perdu dans les limbes, hein, pas savoir quoi faire. Ce qui est absolument pas notre cas dans l'immédiat, c'est l'inverse. Il y a tellement de trucs à faire que je sais plus par où commencer. Attends, je redescends. Et là, elle avait une salle, je crois, elle a des sous-sols. Mot de passe. Akbar. Mot de passe. Alors, faut que je découvre un mot de passe. Je pense pas qu'elle puisse me renseigner. Il me faut le mot de passe pour franchir la porte de métal là-bas. Désolé. Cet endroit est réservé aux initiés. Ce que vous n'êtes manifestement pas. Ouais. Bon. Waouh. Il y en a des choses à faire. Et cette porte restera à tout jamais fermé, je le crains. Il n'y a rien dans la flotte. Ah, il y avait un rat dans la flotte, c'est ça que j'entendais tout à l'heure. Le rat qui se baignait. Bon, bah je vais retourner dans mes catacombes. Bah ils ont bien bossé les nains, hein, parce que la vache. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Attendez. Oula! Il y a du mouvement en plus. Oulalalalalala. Je m'attendais pas à croiser quelqu'un à cet étage par où j'étais passé. Allez, on va appeler cette... voilà, mystère, potentiellement au pluriel. Halt, humain. Toi, entrer dans le royaume gobelin. Les humains, pas entrer... Sauf marchand de gemmes. Alors moi être marchand de gemmes, monsieur. Pour le commerce des gemmes, voir à l'otard. Bon, j'ai le droit de passer, on est d'accord? Moi, ronge tes os. Non, j'ai pas le droit de passer. Alors j'aurais dû lui présenter mon papier, en fait. Bon, vous me direz, au pire, je lui casse la figure. Mais... Au pire, on va essayer de rester pacifiste. Et on va dire qu'on a signé un traité de paix. Halt, humain. Toi, entrer dans le royaume gobelin. Les humains, pas entrer, sauf marchand de gemmes. Eh oh, gros dégoûtant. Ah ! Voilà, monsieur. Oh merde, je lui ai jeté au visage la note. Ah ! Attendez, j'ai perdu mon papier. Attendez, c'est une terrible méprise. Allez, là. Une minute. Attends, je le vois pas. Comment je fais? Comme ça? Non. Mais monsieur, mes papiers sont en règle. Visiblement, il s'en fout. Tiens. Je suis un marchand. Voilà ma patente. Tout message de Fun Fan 1992. La patoune va bien dans l'inventaire. Rebelle humain s'est échappé de notre prison depuis peu. Seul marchand pouvoir passer. D'accord, ils sont vraiment très 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 cons.
Donc je peux passer. Voilà, je lui ai prouvé que j'étais commercial et je suis en droit de passer. Ok. Wouh! Mais c'est vrai que moi, quand je joue en direct, j'ai mon écran à l'état brut de jeu. Je vois pas la surimpression de mon habillage de chaîne. Mais je comprends ce que tu veux dire, Funfan. L'icône de la patoune qui va bien en bas de l'écran dans l'inventaire. Oui, à mon avis, vous pouvez vous amuser à faire des trucs assez rigolos. Effectivement, je te l'accorde. Ouais. Bon, je vais me faire passer pour un... Ah mais non, c'était en haut. C'était ici que je pouvais... C'est malin, la narration, elle est bien pensée. Voilà. Rappelle-toi. Montrez à moi autorisation signée et patente. Si toi, par avoir, je peux apprécier petit. Tu devrais manger quelque chose. Attends, parce que là, je vais lui jeter dans la tronche, donc ça va pas. Bon. Rien que la manœuvre là, je la sens tellement pas que je vais déjà sauvegarder parce que je sens que je vais lui jeter au visage ma... mon document avec un mépris absolu et ça va mal se finir. Voilà, Merdoum. Voilà comment va s'appeler la première sauvegarde. Merdoum. Non, pas Merdim, Merdoum. J'ai l'impression qu'il va mollarder quand il fait le bruit là. De... Alors, comment je fais pour lui présenter le truc? Non? Comment que je fais? Et l'autorisation, je sais plus, c'est quoi le bouquin? Zouk est trop bête. Eh ben, c'est tout ce dont j'avais besoin, une preuve que j'étais... Merde, je sais plus. Rappelle-toi, montrer avoir une autorisation signée et patente. Ah, c'est l'autorisation signée que j'ai pas. Bonjour JJB. L'autorisation signée. La bonne blague. Ouais, ça va tranquillou, merci, j'espère que toi aussi. Je suis en pleine réflexion du jeu qui est excellent, là, le Arx Fatalis. Une autorisation signée. Oui, mais de qui? Le problème, c'est que j'ai plus sur moi mon document. Là, il y avait la sortie du monde gobelin, mais j'ai pas la clé. Bizarre.
Ah, il est terrible avec son j'ai faim. Toi, la ferme. Il va le regretter. Ah oui, il veut pas que je vienne. Quoi? Prendre la bagarre. Attendez, c'est sur Alice là ce que je suis. Oh! Le malheureux. Hey, attends, il est débile lui, je vais le faire prisonnier. Enfin, s'il me laisse passer. Ah merde, j'arrive pas à lui passer entre les jambes. Hey, il y a moyen de l'enfermer dans sa propre cellule. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Alors attendez, j'ai le document officiel comme quoi je suis négociant, mais j'ai pas l'autorisation qu'il me demande. Il me demande deux docs et j'en ai un sur les deux. Oui, donc je garde mon truc en attendant. Je lui donnerai tout en une seule fois. B. C'est lui qui aurait l'autorisation, peut-être. Là, il y a du poisson. Non, c'est une trappe, ça, c'est quoi? Enfin de l'action. Oh merde, l'autre il s'est réveillé. Une note. Ah, l'autorisation non signée. C'est bien là que ça se passe. Alors attendez, je vais la refaire. Il va me casser la figure et je vais la refaire. Ok, je sais ce que je dois désormais réaliser. Donc lui, il va être chiant à battre parce que je suis pas fort. Il faut surtout pas que je me batte à la massue, mais à l'épée. Il faut que je le déboîte à l'épée, le gars. Et à partir de là, je vais pouvoir me dépatouiller. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc derrière moi. Ouais, voilà notre homme. Alors, ouais, je vais déjà dire que je veux... Alors, attends, l'épée... 20, 30, là j'ai la dague. 35 sur 50. Ouais. C'est celle-là la meilleure. Je re-sauvegarde parce que la probabilité que je me fasse exploser la tronche est élevée. Je comprends mieux. Va mourir! Ça craint. Ça craint. Oui, je veux bien, JJB, pardon. J'espère que toi aussi. T'as la gentillesse de me demander. Et, tu vois, je suis complètement absorbé par mon jeu qui est captivant. J'espère que tu vas bien également. Tiens, sa torche. J'allume ta torche. Sauf que j'y arrive pas. Mais... Ah non.
Vraiment? Ah, quand même. Ouais, ça va. Bon, c'est bien. Ouais, ouais. Il va me manger s'il peut. Il peut faire son kiki, le salopio. J'arrive pas à le mater. Ah. Oh, mon perso qui me dit qu'il a faim, mais... Bon, je mange un morceau, mais c'est pas ça qui va me donner l'avantage. Prends ça! Ah, tu vas pourrir avec les vers! Prends ça! Ah! Il arrive plus à me taper. Ah, dommage. Bon app. Bon app pour ceux qui passent à table. Bon app, fan. Dommage. Oui, j'avais pas besoin de me pencher sur mon clavier parce que tout se fait à la souris, mais c'est presque un réflexe du jeu de tuture que j'ai conservé. C'est pas mal. Il tapait dans le vide à un moment et j'arrivais à le taper. L'idée de base était là. Tu penses que tu peux me faire mal? Oui, vu la giclée de sang que je viens de faire, je lui ai fait très mal. Tu te bats comme une gobeline. Et moi, je te tape dans les roubignoles. Ça devrait faire triple dommage. Comment je vais faire pour l'avoir celui-là? Comment je vais faire? Oh merde. Je réfléchis en même temps, mais je vois pas comment. Je peux pas passer discrètement? Non, ça marche pas. Et je peux pas me planquer dans son lit? Attends. Voilà. Ah non, il me touche. C'était pas con la config où j'avais un avantage à le toucher par lui parce que je m'étais accroupi et ses coups de poing me passaient au-dessus de la tête, ce qui est très con. Mais j'ai pas mieux que mon épée pour lui faire mal. Hein. J'ai rien de mieux. Hein. Ou vache. Oh, je l'ai eu. Comme quoi, il faut bien charger son coup. Et ça fait du bien. Il avait quoi sur lui? Des poissons cuits. Ok. Bah tiens, je vais m'en manger un. Hein. Ouais, merci pour vos GG. Parce que là, pour le coup... Alors attendez, je vais être en paix, je vais fermer la porte. Je voudrais pas être surpris en train de commettre mon crime. Oh! Un bouton dissimulé. Vous avez vu? Oh là là, il y a une clé de l'avant-poste gobelin. Une note. Que dit la note déjà?
Alors, la note dit ceci. Mes chers amis gobelins, comme notre collaboration semble se pérenniser, je vous confirme la commande de 2 humains de plus à offrir en sacrifice à notre bien-aimé Agba. Vous recevrez 1000 pièces d'or par tête à la livraison. Je viendrai moi-même vous apporter cette somme. Signé, Seigneur Lierbius. Alors j'ai mon curseur de saisie texte rouge qui a bugué au début du lancement du jeu qui me cache le nom du mec. C'est bien, ça rajoute du suspense à l'enquête. J'ai un caractère qui m'est masqué. Un certain Seigneur Lierbius, je sais pas. Lierbius, ouais, on va l'appeler comme ça. Le concurrent de... Boeing. Ouais. Leur vénéré chef. Bon, j'ai de la farine. J'ai un poisson. Ouais, bah la chaise... Ouais, j'allais dire la chaise... Je bloque la porte. Interdit de passer. Une potion de soin. Toujours cette prix. Là, il y a la jarre. Attendez, le bouton, j'y appuierai après. Alors, une autorisation non signée. Comment vais-je faire pour la faire signer? Ça, être autorisation. Celui qui a autorisation est libre de pénétrer dans le royaume gobelin. Donné par... Ouais, j'ai pas de nom, pas signé du coup. L'avant-poste, une clé. Une clé de l'avant-poste. Ok. Ouais, à part le poisson frais... Attends, du poisson frais, j'en ai 5. Oh là là, merveilleux, et je parle pas de ceux que j'ai cuit. J'ai l'impression qu'il y a un truc là. Ouais. Bon, on sauvegarde et on appuie sur le dit bouton dissimulé. Je n'ose imaginer ce qui va se produire. Allez, je vais sauvegarder dans narration de fou. Alors, qu'est-ce qui peut se produire en appuyant sur le bouton ? Il y a un mur qui va bouger. Ah oui, là, c'est peut-être un mur-porte, non? Pourtant, la carte semble dire qu'il y a du dur derrière et que c'est pas... Attends. Ouais, il y a le lit du gars, mais il n'y a pas de... Je sais pas. Bon, bah on va voir. On appuie. Ah oui. Ça dissimulait bien un truc. Un coffre, ok. Waouh, 240 pièces d'or. Une petite clé en métal et une gemme. Waouh, je suis riche. Waouh, j'ai triplé mon butin en une saisie record. Eh ben dis donc. Oh, c'est le pied. Ouais, non, la chaise, voilà, je la vire. Tiens, on va bloquer la porte. Le mec qui adore semer le chaos et le bordel dans le... Ah, vous remarquerez... Ah si, j'allais dire, j'ai pas le droit de... De balancer la chaise. Oh, c'est con. Il me faudrait me faire signer l'autorisation, mais par qui?
Ça y est, je commence à perdre... Ah oui, là aussi, il y avait un Gus. La petite clé, c'est pas ça. Oh ! Oh ! Je rappelle que ça, c'est la frontière du royaume gobelin. Fin du royaume gobelin. J'arrive où ? Eh, je progresse, hein. Je progresse vachement bien. Un morceau de bois. Spatium. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mais c'est une rune ! C'est une rune de magie ! Je viens d'apprendre une rune de magie. Tiens, là j'ai un truc. Ah, dresse un mur de flammes devant le lanceur de sorts. Oh là là. Shrak. On essaye ? Oh, je vais bouffer toute mon mana, donc c'est débile. Si vraiment un moment j'en ai besoin. Putain la vache, c'est un sort de niveau 7 déjà que j'ai. C'est n'importe quoi ce jeu. Tabouret cassé. Un bouclier. Non mais je peux pas tout prendre. Je peux pas tout prendre, c'est pas possible. Alors, si je sors du royaume gobelin, j'entre dans quoi ? Oh là là ! Bonjour le coyote ! Je suis en train de flipper ! Mais dans quoi j'ai mis les pieds ? Merde, y'a un rat. Il est pas chez de vie, j'attrai pas le vilain rat. Je le dépece et je ferai cuire ses chairs. Ça me fera de la bouffe. C'est quoi ça? On dirait des hôtels de téléportation. Alors là, par contre, si je tombe, je peux pas remonter. Waouh. Tant de mystères. Et pourquoi le royaume gobelin s'arrêterait-il ici? Il y a des champignons là au sol. Il y a des fougères, il y a des plantes. Oh merde! Il y a un gros colosse qui monte la garde là-bas. À mon avis, je vais me faire casser la figure. On m'a pas vu. Là, il y avait je sais pas quoi. Ah, il y a des masques. C'est de l'art troll. Ah ouais, c'est un escalier en fait. D'accord, je suis à la frontière entre les trolls et les gobelins. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le symbole est le même répété à chaque fois. Et la magie du démon. I am a ne, I am a ne. Non ? Je vais allumer un truc, j'ai le droit. Merde, mais j'y arrive pas. Non, il se passe rien du tout.
Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Une œuvre d'art troll? Oula! C'est très particulier. Là, il y a des champignons inconnus. Il y a la petite cascade, mais il n'y a rien derrière. Voilà, je me douche dans la cascade. Je suis tout propre. Attendez, je... Ça pour être mystérieux, ça l'est. Je vais pas approcher parce que pour lui je vais être hostile. Je pense qu'il va me défoncer. J'y crois pas. Je me vois pas passer à côté. Bonjour. Je suis persuadé qu'il va me démolir. Je vais laisser grand ouvert, ça aérera les lieux. Ce sera bien. Alors, eux, je suis sûr qu'ils cachent des trucs. Mais comment les patater? Oh, j'ai envie d'en découdre. Hein. Je vais tenter ma chance. J'ai envie d'en découdre. Les coups bien forts, ils aiment pas. Trois grands coups. Alors, les petits coups, ça leur faisait quasiment rien. Mais les trois grands coups, je les explose. Comme quoi, les techniques de combat sont importantes. Oh merde, l'épée courte, elle est toute neuve. J'ai plus de place. C'était sûr, j'ai plus de place. Il y a des endroits, je vais être obligé de... Et puis n'oubliez pas qu'on a un mur à péter en bas. On a un mur, souvenez-vous, dès le début, il y a un mur. Je suis pas assez fort pour le briser, mais... Ah. Ou alors je me réserve un coffre, mais je sais pas lequel. Un coffre bien planqué, bien à moi, où je changerai mon matos dedans. Peut-être un des coffres du tout début, dans les geôles goblins, je sais pas. Bon, l'autre devrait pas me poser problème. Mais je rêve. Ah, il a déjà peur. C'est ça, ouvre la porte, abruti. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais attends, c'est une forge? Ça ne cassera pas comme ça. Oui, non, non, mais je vais ouvrir tout simplement. Enfin, faut-il encore avoir la clé? Mais oh, il avait de la bouffe sur lui. Oh. Oh, les monstres. C'est la chambre de torture. Ah, il y a des symboles. Ça, c'est la salle de torture. Incroyable, mais vrai. Oh là 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 là. Les monstres. On se croirait un peu, vous savez, dans quand on incarne les créatures dans Dungeon Keeper. Pour ceux qui connaissent pas Dungeon Keeper, c'est un jeu culte. Un des premiers jeux de stratégie gestion. Et je trouve qu'il y a une ambiance à Dungeon Keeper qui est pas mal du tout.
Ah, comment que ça va, le coyote? Merci à toi de nous avoir rejoints. Poisson cuit. Ouais, ça va tranquille. C'est cool. Oh la vache. Les instruments de mort. Bon, j'ai pas la clé de la... Mais est-ce que je peux la... Attendez, j'ai des kits de serrurier, donc je peux peut-être la bidouiller. Ah, attendez, j'avais une autre petite clé. Voilà. Tout simplement. Oh! J'ai des gemmes de magie en récompense. Énorme. Oh, le jackpot! Je peux tout embarquer ou pas? Non, je peux pas tout prendre. Je laisse un peu de farine. Oh bah merde alors. C'était quoi la note que j'avais prise sur moi? Mes chers amis gobelins... Ouais, j'ai une preuve. Je vais peut-être garder le document sur moi parce que c'est une preuve de culpabilité. Ah, plastron en cuir. Merde, j'ai plus de place. Je n'ai plus de place dans l'inventaire. Je vais devoir faire des manips. Je vais peut-être laisser le gourdin là. Je reviendrai si j'ai besoin absolument d'une arme. Mais bon, elle est assez basique celle-ci. Attendez. Voilà, je vais mettre le gourdin là contre la table. De quoi je peux me séparer? La clé en métal, puisqu'elle ouvrait ici même. Je présume. Encore que. Oh, j'ai toujours le doute à me dire est-ce que j'ai pas une clé pour ouvrir plusieurs portes. Quand t'es encore en vacances, ça va toujours. Tu m'étonnes, le coyote. C'est bien, profite. Clé de l'avant-poste gobelin. Ouais, je vais regrouper les clés au même endroit. Une pierre d'Amicar. Qu'est-ce que je peux en faire de la pierre d'Amicar? C'est un mystère. Bon, les os, je les mets sur la table parce que ça me bouffe une case à chaque fois. Et j'en fais absolument rien. Donc, hop. Voilà. Hop là. Par contre, les runes. Je vais me faire une joie de les apprendre. Ça va me déverrouiller des sorts. Ça prend combien de place, ça? Eh oui, 2 sur 2, c'était évident. C'était évident. Alors, attendez, les runes. Ah, j'ai appris un nouveau sort. Ah, attendez. Alors, projection d'énergie magique. Est-ce que ça permet de péter les murs? Je sais pas. Projection d'énergie magique. Alors, peut-être que j'essaye ça contre le mur. Ah, lance un projectile de flamme. J'ai deux trucs à essayer contre le mur en bas en pierre. Ah, c'est extra. J'aime beaucoup le rythme de... Et la réflexion du jeu. Très intéressant. Merde, mais attendez, j'aimerais cliquer sur le... Voilà. Mon inventaire. Oui, j'ai du matos qui m'attend à l'angle, là. Merde. Je me sépare de quoi, là? J'ai envie de me séparer de rien du tout. Tu penses bien. Il y a le journal de bord des humains. Est-ce que je l'abandonne ici? Peut-être pas très malin de l'abandonner ici. J'ai faim.
Oh putain, il a encore faim, il a toujours faim. Merdoum. Alors la côtelette de racru là, voilà que je la range. Faudra que je revienne à l'endroit où j'ai de quoi faire ma popote. Il faut que j'essaye de me faire des recettes. Ah, je crois que je me suis équipé. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je suis équipé de mon plastron de cuir. Ah, je ne serai plus à poil. Oula, 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 oula. Je fais des bêtises avec l'interface. Je ne serai plus à poil. Je pourrais réparer mes armes avec ça. Oui, je peux pas réparer mes armes avec ça, oui. Oui. Damage. Bouclier, bloc de pierre. Même là, il y a des... Il y a des pièces derrière. Hey, 20 Mazette. Ah, 405 pièces d'or. Je suis riche. Alors, une épée courte et une épée longue. Oh là 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 là. Je sais même pas si je peux la manipuler. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Pourrait-on dire? Je sais que je peux revenir ici si j'ai besoin d'une arme. Je... Il y a des massues au sol. Ok. Je sais pas si vous l'avez vu, il faut avoir le coup d'œil, mais il y avait des massues au sol. Le tonneau, il restait un peu de farine. Je suis vraiment tenté de retourner dans les tréfonds, là, d'où je viens. Aller à l'endroit où il y avait une place où je pouvais cuisiner. Parce que je vais me concocter d'excellents plats qui vont me revigorer. Et même lui, honnêtement, je pourrais me le faire. Maintenant que je suis en confiance, je crois que je vais en découdre. Bon, je suis un négociant un peu sanglant, mais ça marche. Viens ici et pas moi. Oh, il est plus coriace que les autres, lui. Voilà. Non, mais j'arrête de me battre, là, j'ai gagné. Fiole d'eau, miche de pain, ok. Je peux les prendre. Bah voilà, un plat salé, lui qui avait faim. Je peux pas le manger, là, le plat. Non, je peux pas. Oh. On mange pas la même chose, visiblement. Il y avait quoi ici? Oh, quelle horreur! Da 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 da. Là encore, j'ai des champignons. Alors, est-ce que je peux les prendre, les champignons? J'en ai 7. Ah ouais, je pense que dans l'inventaire, ça passe. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Attendez. Oui, j'ai dire le dessin de la carte qui semblait suggérer qu'il y avait un passage secret, mais non. Faut arrêter la déconnade. Qui es-tu? Je ne serais pas du mauvais côté des barreaux. Moi, Polsus. Toi, aidez-moi. Et moi, aidez-moi. Toi, ouvrir porte. Donne-moi une bonne raison de faire ça. Moi, t'aider si un jour, toi, avoir besoin de toi. Moi,
J'aurais craché. C'est gros dégueulasse. Paul Chus, ils savent faire que ça. Hé, hey, tu me signerais pas une autorisation, mon gars? Tiens. Donne-moi ce papier maintenant. Ah non, non, non. D'abord, toi, ouvrir porte, Paul Chus, pas confiance. J'espère qu'il va pas me faire d'entourloupe. Je pourrais même lui indiquer un endroit où il pourrait être peinard. Hein. On en a trouvé. Pas mal la formule. Oui, c'est rigolo. Oui, bah, quelque part, il s'est aidé lui-même. Il y a eu un peu un effet moi aidez-moi. Il y a rien dans sa cellule. Hey, franchement, il est extra ce jeu. Je comprends pourquoi il a eu son succès à sa sortie dans les années. Je sais plus en quelle année il est sorti, en 2001, je crois. Hey. Oh là 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 là. J'aime beaucoup l'ambiance. L'ambiance, vraiment, elle est extra. Il y a quelque chose d'assez pesant. Il y a plusieurs intrigues. C'est très très bien. Et ben voilà, je vais pouvoir aller voir les loustiques, là. Reste à savoir où ils étaient, je m'en souviens plus. Alors, eux, je leur ai cassé la figure. Ah, ah, ah. Je rigole bien. Là j'ai libéré les prisonniers. Ah bah je suis libre, je crois qu'il n'y a plus personne. J'ai cassé la figure à tout le monde. Ah oui, ils étaient là-bas les loustiques. Et bah s'ils me parlent mal, je les défonce aussi. Ouais. Le gars qui prend une assurance certaine. Mais ne pas omettre de revenir sur mes pas là où j'étais fait prisonnier dans les geôles. Pour avoir un endroit où cuisiner. En plus du mur à péter. Il y a le mur à péter. Je pense qu'on est obligé d'y revenir. C'est trop bien écrit. Bon alors, monsieur... Hein? Je fais le malin là. C'est toi, pas autorisation signée. Oui, oui, oui. Moi, pas autorisation signée. Moi, pas passé. Moi, vais te présenter mes papiers. Et toi, me laisser passer. Hein? Vous du diou. Ta-da! Alors en temps normal, j'aurais pas fait mon bariole. Encore que là, ils sont trois, mais. Quoi? Ils ont rien à me dire? Dégage, sale humain! Eh oh, ça parle mal! Va-t'en! Ça parle mal. Ah! Ah, nouveau niveau. On l'explore un peu, puis je m'arrêterai pour déjeuner. Waouh! Dans quel endroit vais-je déboucher? Très intéressant. Ouais, là, il y a une torche. En fait, il y en a plein partout, des torches que je pourrais m'amuser à allumer. Ah! Il va y avoir des araignées. Attends, je suis censé arriver où, là? Ah! Je vois une énorme araignée en bas. Ok. Je devrais manger quelque chose. Oh, puis mon perso qui a faim. Mange la miche de pain, là. Hop, ça libère une case. Alors! Eh ben, dis donc, l'éclairage, il est pas top.
Ah, là il y a de la civilisation. Il y a de la pierre. Oh, c'est qui lui? Oh là là, il y en a du monde. Ouvrez-moi la grille. Aucun humain passé. Je ne suis pas un simple humain, je suis un marchand de gemmes. Ouvrez. Troll en grève, pas commerce de gemmes pour l'instant, vois pas passer. Ouvrez-moi. Non. Oh. Il ne manquait plus que ça, là qui font grève maintenant. J'ai des doutes sur le passage du vent, là, vu la roche. Wow, j'ai pas intérêt à dévisser, moi. Mes intentions sont pacifistes. Enfin, dans un premier temps. T'es qui, toi? Toi, passe pas. Toi, pas ami. Moi, écrasez-toi si toi, pas partir. Ah, bon, bah, je me barre. Attends, là, il y en a un autre. Qu'est-ce que c'est que... Toi, passe pas. Toi, pas ami. Moi, écrasez-toi si toi, pas partir. Oh là là. Ouais, bah, vous êtes très chiant dans vos protocoles, hein. Oh, d'accord, ça, c'est... ça mène à rien. Alors, c'est leur territoire... Mon avis, les trolls, je suis pas prêt de faire copain-copain avec. Ah, ça descend. Ah, un crapaud. Quoi? Un autre niveau? Mais c'est sans fin. Et qu'est-ce qu'il y a dans la flotte? Donc je pourrais faire de l'alchimie plus tard, il y aura des trucs à récolter. Ah, là il y a un petit peu de texture, je présume. Rien de grave. Elle est fraîche, elle est fraîche. Rejoignez-moi. C'est bizarre. Ce passage ressemble étrangement à la grille d'évacuation de... Oh, il y a encore un truc à ramasser. C'est quoi ça? Une gemme. Oh. Bingo. Je viens de faire le lien. Je me disais bien que ça ressemblait étrangement à... Vous savez la grille là, dans là où je veux aller justement, où il y a le truc de bouffe. Ah, il y a des jonctions. C'est sacrément malin. Bon, la gemme, je me la prends. Enfin, si je peux. Ah, il me faut un outil pour la péter. Merde. Je pense pas que je l'aurai à l'épée. Non. Il me faut une pioche pour l'extraire. Ou un sort de magie. Mais là, en l'état actuel des choses, je peux pas extraire la gemme. Il me faudra une pioche, tant pis. Ça, par contre, je peux embarquer. Est-ce que je peux les cumuler? Oui. Je peux les cumuler dans l'inventaire. Ça, c'est un nénuphar. Ça sert à faire de la potion. Et encore, j'ai eu tort de ne pas regarder au plafond. Il y avait peut-être des trucs qui m'ont échappé. Ça commence à faire pas mal de choses à mémoriser.
Les nénuphars. Hop là. Et de 10. Ouais, là il y a un cul-de-sac. Ouais, non, ça mène vraiment à rien, on le voit dans le dessin de la carte. Donc je peux cumuler 10 nénuphars par case d'inventaire. C'est bon à savoir. Là, c'est... ouais, un autre niveau. On va y aller, on va aller voir. Où est-ce que ça mène? Oula! Je prends la direction de caverne naturelle? Ah oui, mais hey, j'ai plus de torche. Oh, d'accord. Première entrée, une toile d'araignée. Mais j'ai plus de torche, les gars. Ah non, c'est un gourdin que j'ai, là. Marda. On va y avoir des... Ah! Bon, je reviendrai plus tard, hein. Quand j'aurai des torches, je reviendrai. C'est potentiellement le dernier endroit où je vais me rendre. On a un mur à péter à l'endroit où je connais. Et je pense qu'on va honorer la quête de prévenir le roi, comme quoi les humains se sont fait exploser par les êtres parfaits, là. Il y a même un truc là, mais j'ai... Ouais, non, c'est cloisonné. Alors, avant d'arrêter le jeu et de déjeuner, je vais m'arrêter à... Ce sera le suspense absolu pour le prochain épisode. Les hommes lézards, oui, peut-être. Bonjour, la Jed. Partout, mais je vois rien. Ah merde, c'est l'ande des araignées. Mais non, mais je viens pas des araignées, moi. Attendez. Mais non, mais... J'entre dans le territoire des araignées. Mais non, mais non, mais non, mais non. Je sais pas, sinon je peux pas prendre la torche. Merde, je sais plus d'où je viens. Le mec fait grève, mais... Quand je suis arrivé ici, je suis arrivé d'où, moi? Bah, je suis sorti par là. Attendez. Je suis complètement largué. Lorsque je suis arrivé d'ici... Ne me dis pas que je... Mais non, je suis pas prisonnier, c'est pas possible. Tu avais contourné l'araignée qui est dans le trou. Ah bon? C'est en fait les hommes lézards nous gouvernent. Ouais, pas gouvernés par les chats, tout est dit, ouais. Enfin, si, ils sont gouvernés par les chats, bref. Mon Dieu, mon Dieu. J'avais contourné l'araignée? Ah, tu as raison. Merci, Christella. Je reconnais l'endroit, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu. Oh la vache. Vous voyez, déjà, la mémoire qui me fait déjà défaut. Parce que mémoriser toutes les jonctions dans le labyrinthe de qui va quoi, où, comment, descend, remonte, à la fin, t'es complètement largué. Tu finis par errer comme un fantôme, au bonheur, la chance. Ils sont toujours impressionnants, eux. Mais... Eh, je veux passer, monsieur. Bouge de là. Et voilà. Merci. Ouais, j'espère que j'aurai à nouveau accès. Je vais prendre soin de sauvegarder ailleurs.
Homeworld, Desert of Karak, gratuit dans une semaine sur Epic. Ah, merci pour l'info. Merci pour l'info. Ne pas se perdre, ne pas se perdre, ne pas se perdre. Il faut que je retourne au niveau des geôles. Le tout début de l'histoire quand j'étais fait prisonnier. C'était par là-bas. C'était là. Oh là là, les efforts de mémoire qu'il faut faire. Voilà, j'étais fait prisonnier là-dedans, mais là-dedans, il n'y a plus rien d'intéressant. Hop. Voilà, c'est par là que ça se passait. Donc je vais pouvoir faire et de la cuisine et péter le mur avec de la magie. Mais je vous avouerai que je garde ça pour l'épisode précédent. Ah, qu'est-ce qu'il a à me dire d'ailleurs ? Merci encore. Je n'oublierai jamais ton aide, Amshagar. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, tu restes avec moi ! Je déconne. Bon, bref. La réserve, j'allais débrouiller. Ben oui, je peux rentrer, sortir comme je veux. D'ailleurs, je vais peut-être déposer des trucs dans la réserve. Parce que vu que je leur ai bien cassé la figure, à mon avis, on n'est pas prêt d'avoir de la visite. Ouais, et ça fait une belle salle de stockage. Je vais peut-être garder cet endroit pour être ma salle de stockage. Comme j'ai 3, même 4 si on compte la farine, j'ai 4 containers. Ce sera au prochain épisode. Je vais me faire une 5e sauvegarde. Et je vais partir déjeuner. Ma réserve. Oh bah alors. Comment qu'il m'écrit mal On voit que c'est programmé en français. Hein. Les accents passent sans problème. Cocorico, ça a été codé en Unicode et c'est parfait. Oh ouais. Ou alors je vous quitte sur les crédits. Ah, ça peut être stylé. Ah oui, mais je peux pas faire ma saisie, attendez. Il y avait Chris Golgoth. Attendez voir que je lance. J'ai eu plaisir de lire que Chris Golgoth avait lancé son direct tout à l'heure. Ça fait une éternité qu'on l'a pas vu. Et j'adorerais prendre de ses nouvelles. Il est où, Chris? Attendez, que je programme le relais de chaîne. Et puis on va se quitter sur le générique du jeu. Ce sera classe. Moi, je vous dis bon appétit. Si c'est pas déjà fait, bonne digestion. Et je reviendrai d'ici une grosse heure. Ah non, il a arrêté Chris Golgoth. Oh. Oh merde, attendez, ça c'est mes ralentis à moi. Oh merde, il avait lancé, mais il a dû faire un test de 10 minutes à peine. Oh dommage. Bon, bah on va aller voir Cadeau Anthony, on va aller lui dire bonjour. Encore que je pense qu'il va pas tarder à arrêter, mais bon, ce sera pour le principe de lui dire bonjour. On va aller voir Cadeau Anthony. Ce sera pour le principe de lui dire bonjour. Et on se quitte sur le générique. Bon appétit tout le monde. Oh là, il fait un jeu très nerveux. Oula, c'est le boxon. Anna la sauveuse, hein. Ah là là, sacré Anthony. Alors, le fait de mettre le jeu et une chaîne Twitch en même temps, je trouve, hein, ça fait... ça essouffle mon ordi. Et là, il est en train de ramer au niveau de la chaîne de Cadeau Anthony, que je vois pas à coup. C'est une belle région que les Allemands ont toujours voulu là-bas. Voyez, regardez le générique. Bestiaire sketch et sketch additionnel du monde. Il y en a deux qui sont spécialisés dans l'écriture des vannes. Il n'y a plus de Rico. Humbert Chabuel et Pierre-Alain Chartier. Le rondingue là.
purée, elle a déjà son rico là nouveau. Je vais aider mes... Oups, je vais dire je vais aider mes collègues parce que j'arrive pas à la tuer là et je perds du temps. Ah, la marque rose. Mais a priori mes collègues s'en sont très bien sortis. S'il fait 2-3 secondes sur les tanks. Ah d'accord, et 5-5 sur les autres. Ok, je me disais c'était pas très long. Merci bien Ray. Je comprends mieux. Et le sage qui nous raide. Ouh, c'est super gentil le sage, malheureusement. Je suis désolé, vous arrivez à la fin. Merci beaucoup le sage, comment tu vas? Oups, et voilà, forcément je décède. Merci le sage, comment ça va? Tu jouais à quoi? Elle est pas mauvaise votre tresseur, elle est relou hein. Elle sait se placer et tout. Salut le sage, tu vas bien? Merci beaucoup pour le raid. À quoi tu jouais? Je comprends rien ce qui se passe, regardez, il y a des collègues là-bas, il y a le robot tout seul ici, je n'ai rien compris. Cette partie, je ne la comprends pas. Arx Fatalis, pardon. Pause déj, eh oui, forcément. Bonne app à tous. Le nom me dit quelque chose, mais je ne...